Maintenant, l'exercice 2 du TD numéro 5. Donc, après avoir vu le test de conformité, on va voir le test d'indépendance du KIDE. Pour cela, on va utiliser les données du sondage dont je vous ai demandé de participer. Et pour cela, vous répondiez à la question, parmi ces 5 matières, laquelle préférez-vous? Alors, on va sauter l'étape qui consiste à transformer ces données VOOT en tableau croisé dynamique. Vous pouvez voir à travers le tuto tableau de contingence comment passer de l'un à l'autre. Là, on va plutôt se focaliser sur l'étape qui consiste à transformer le tableau croisé dynamique en tableau de contingence. Avant ceci, on se pose toujours quand même les questions de base. Quelles sont les variables et quel est leur type? Les variables, on les voit, c'est les matières choisies et le genre. Et le type, ce sont des variables qualitatives nominales. Donc c'est parfait, on va pouvoir utiliser le KIDE. À ceci, il y a aussi les questions de quelle est l'hypothèse vraie et quelle est l'hypothèse alternative. Ben là, c'est assez simple. L'hypothèse vraie, c'est qu'on va supposer que les variables sont indépendantes. Et H1 va être les variables ne sont pas indépendantes. Donc tout le travail va être essayer de réfuter ou d'accepter H0. Alors, transformer un tableau croisé dynamique en tableau de contingence, on a besoin du total des colonnes et des lignes. Donc, c'est la première chose qu'on fait. On va utiliser bien sûr Excel hein, pour nous trouver ces totaux. Voilà. Pareil ici, on fait le total des lignes, on fait le total des colonnes, et voilà. Ensuite, on prend tout ce tableau-là, et on le met ici, juste à côté, et en fait, on va créer le tableau des valeurs théoriques. Ça, par contre, vous ne pouvez pas y couper. Excel ne peut pas le faire pour vous. C'est à vous de créer le tableau des valeurs théoriques. Alors, pour cela, on va utiliser, on a vu, la colonne et la ligne des totaux. Donc, on enlève ces valeurs-là. Comment créer ces valeurs théoriques? Par exemple, on se met ici. Donc, on sait que pour la matière diffraction rayon X, il y a eu 23 personnes qui l'ont choisi, et normalement, théoriquement, le genre ne joue pas, il devrait y avoir, le choix devrait se répartir à 24 sur 43 pour les femmes, et 19 sur 43 pour les hommes. Donc pour cela, c'est encore une proportion, le résultat doit être en fonction des proportions des femmes et des hommes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur du total, on multiplie par le total des femmes, et on divise par l'effectif complet. Alors, comme on va tirer la formule, on va geler ces deux cellules, ici le total des femmes et le total des effectifs. Voilà. Après, on n'a plus qu'à tirer la formule, et on a réalisé notre première colonne théorique. On voit bien qu'on arrive au même résultat. Le total nous fait bien 24. On fait la même chose avec la colonne des hommes. Donc voilà, on fait ça. Effectivement, il s'est déplacé, donc on part toujours du total. Par contre, la proportion, c'est le nombre d'hommes sur l'effectif total. Donc on va remplacer B10 par C10. Comme on veut étirer la formule, on gèle la cellule avec F4. Donc voilà. Et j'ai créé mes valeurs théoriques. Et on voit bien que tout va bien, puisqu'on a 23 de part et d'autre, 8, vous voyez, les totaux sont égaux. Alors par contre, on n'est pas obligé de mettre les valeurs à l'intérieur, on parle de genre quand même, avec 6 chiffres après la virgule, donc on peut même carrément le laisser comme ça, si vous voulez, un chiffre après la virgule. Donc voilà, on a créé notre tableau de congruence. Alors maintenant, on va aller un peu plus vite, on va passer à la deuxième étape,
qui consiste à trouver notre Qi2 calculé. Alors pour cela, on ne va pas refaire tous les calculs. Si vous regardez sur le protocole, la formule est assez complexe. Il y a des fonctionnalités sur Excel, donc on va les utiliser. Mais pour cela, il faut d'abord répondre à quelques questions. Déjà, parler du degré de liberté. Le degré de liberté, si on regarde sur le protocole, c'est marqué. Donc, du degré de liberté, c'est le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de lignes moins 1. Donc, le nombre de colonnes, il y en a 2, moins 1, ça fait 1. Et le nombre de lignes, donc il y en a 4, moins 1, 3. Donc, 1 fois 3. Alors, oui, ce qui se passe, c'est qu'au départ, normalement, il y avait 5 matières. Mais en fait, de ceux qui ont répondu, personne n'a choisi le mètre. Donc, du coup, l'a pas mis dans le tableau. Ensuite, si vous voulez revoir en détail quelle fonctionnalité d'Excel et comprendre pourquoi on prend celle-là, vous allez voir sur le tuto qui s'appelle Qi2 et Excel. Donc là, on va juste prendre les fonctionnalités directement. Ici, premièrement, on va faire ce qu'on appelle le test du Qi2. Le test de Qi2. Il y a marqué la plage réelle, donc ce sont les valeurs observées. Donc on rentre les valeurs observées. La plage attendue, ce sont les valeurs théoriques. Voilà. Et ça nous donne une probabilité. Cette probabilité, ça s'appelle la p-value. D'accord? Et la p-value, c'est la valeur qui nous dit si on est dans H0 ou H1. En effet, on sait que on va prendre un test avec 5% de risque. Là, je vois une p-value qui est à 31%. Donc, ça veut dire quoi? En fait, j'ai 31% de risque de me tromper si je rejette H0. C'est trop. Donc, on sait déjà que, en fait, il semble que, on est bon. Effectivement, on ne rejette pas, on ne va pas rejeter H0. C'est-à-dire que il semble que les données sont indépendantes. Alors, malheureusement, sur le protocole complet, ils ne veulent pas faire à partir de la p-value, ils veulent que vous calculiez le Qi2 à partir de ces valeurs-là et de vous le comparer avec le Qi2 de la table. Donc, on va le faire, mais toujours en utilisant Excel. Ici, on prend une autre fonctionnalité d'Excel du Qi2 qui est en fait le Qi2 inverse. La probabilité, c'est la p-value qu'on vient de trouver. Degré de liberté, on a dit que c'était 3. Voilà. Et on trouve 3,60. Sur le protocole, on doit regarder le Qi2 calculé par rapport au Qi2 de la table. Donc on va sur la table qu'on a. On regarde en fonction du degré de liberté et du risque de 5%. Degré de liberté, risque de 5%, si on regarde, c'est la ligne là. Et en fait, ça nous donne un Qi2 de la table de 7,81. Donc on prend ça et on s'aperçoit que au seuil de risque de 5%, 7,80 est plus grand que le Qi2 calculé, donc on valide H0. Ensuite on regarde la valeur puisque la question était de savoir le genre a-t-il une influence sur le choix de la matière au seuil de risque de 5% puis après de 1%. Au seuil de 1%, c'est 11,34, c'est encore plus grand, donc on a encore plus, on rentre encore plus de données, donc on est encore plus tranquille, et on voit bien que ça nous donne, on valide H0. Conclusion, si vous devez répondre à la question, le genre a-t-il une influence sur le choix de la matière au seuil de risque de 5 et de 1%? Apparemment non, dans cette classe, le fait d'être un homme ou une femme n'influence pas sur le choix de vos matières. Et voilà pour l'exercice 2.